Wow, bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien, c'est extraordinaire. Nous sommes sur notre bord et c'est comme pensez-vous? Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des choses très importantes comme les cas de possession démoniaque. Quand on parle de cas de possession démoniaque, les gens pensent que ce sont juste les hommes seulement qui peuvent être possédés. Parce qu'on sait que l'homme ne peut être possédé que par deux esprits. Soit vous êtes possédé par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même, ou vous êtes habité par les démons, malheureusement, qui existent. Et dans le cas où les gens sont possédés par le Saint-Esprit, on nous dit même dans la parole de Dieu que ces gens-là manifestent des fruits de l'Esprit, parce qu'un bon arbre produit toujours de bons fruits. Quels sont ces fruits? Regardez. Waouh! C'est extraordinaire! Dans Galates 5, verset 22, on nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » C'est écrit ici. Ça veut dire que toute personne possédée par le Saint-Esprit, cette personne-là doit manifester, doit être toujours joyeuse. La paix doit être chez elle. Elle doit avoir la patience. Tous ces éléments qui sont cités ici-là, ce sont des dons gratuits de Dieu. C'est au nombre de 9. Ce sont les dons gratuits de Dieu. Ce sont de Dieu qui les accorde à toutes les personnes qui ont son esprit. Et ces personnes qui ont son esprit se manifestent comme suit. Regardez, on les voit souvent en train de prier. Ils cherchent à rencontrer les dieux. Quand ils sont dans les soucis, et ils persévèrent dans la prière. C'est ça, mais les histoires. Même les enfants ont reçu des fruits de Dieu. Et c'est extraordinaire. La famille cherche Dieu. Mais quand une femme à l'église, devant Dieu, qu'elle doit prier, elle doit tout simplement se voiler. Ça, c'est important. Et regardez ça. C'est Dieu qui le dit. Et puisque c'est Dieu qui le dit, elles obéissent à ce que Dieu a demandé de faire. Ça n'écoute pas de pain. Ce n'est rien. Mais une personne qui est possédée, dans le cas, par le démon, cette personne aussi aura sa manière de se comporter. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Regardez ça. Face à cette personne, même les prêtres doivent prier pour elle. Le pasteur doit faire une délivrance. Mes frères et sœurs, c'est pas de la blague, regardez. Comme vous le voyez, c'est réel. Parce qu'elle n'est plus la même. Avant, quand tu parlais des cas de possession, les gens pensaient qu'il y avait seulement des cas de possession démoniaque. Non. Mais regardez comment ça se présente d'abord. Regardez ça. Quand une personne est possédée, elle est contrôlée par l'esprit qui est en elle. Et ses fruits sont mauvais. Cette personne va se comporter méchamment. Cette personne fera tout ce qui est mauvais. Parce que cette personne a l'esprit du mal en elle. Regardez bien. Et là même, le noir de ses yeux ont disparu. Hein. Là, maman a même dit qu'elle est possédée. Au lieu d'être morte, elle est vivante pour faire le mal. Parce que c'est le démon qui la possède. Ne la jugez pas. Dans cette situation, ne la jugez pas pour dire « Ah, tu es possédée, tu es comme ceci. » Elle a besoin qu'on prie pour elle et qu'on chasse le démon. Parce qu'on peut effectivement chasser les mauvais esprits qui se trouvent en elle. Et c'est réel. La plupart des temps, les gens qui sont possédés ne le savent pas.
Et vous pouvez même marcher avec les gens pour soutenir, même sans le savoir. Les gens possédés se comportent pas seulement avec violence comme ça, mais ils peuvent aussi être relax, tranquille, qui ne dérange personne, même bien parfumé, même plus parfumé que vous, même plus joli que vous, même plus élégant que vous. Mais il y a un cas de possession démoniaque. Et les fruits sont là. Quand les gens sont possédés, eux aussi ont une manière de se comporter. La plupart du temps, ils se comportent ainsi. Comme vous le voyez, c'est réel. C'est pas de la blague, les frères et sœurs. C'est vraiment réel, même plus réel que réel. Des cônes sont là pour représenter les cônes du démon. C'est-à-dire que le démon peut, la personne peut être possédée. Mais vous ne pouvez pas voir les choses. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas voir cela se manifester comme vous l'a montré dans ce cas-là. Mais par le comportement de cette personne, vous saurez que la personne est possédée. Et ça aussi, c'est un autre comportement qui amène les gens aussi à recevoir ces mauvais esprits. Parce que les produits, derrière les produits que les gens utilisent, il y a des alliances qui ont été tissées avec des démons. Et quand les gens utilisent ces choses, les démons les possèdent en partie. Et regardez même ici. On voit que la fille est en train de se maquiller et elle a fermé un œil. Ça veut dire qu'elle, elle montre son appartenance au groupe de Luciférien. Parce qu'on a dit que cet œil fermé là et l'autre œil ouvert, on appelle l'œil qui voit tout. Ou encore the all-seeing eye. Vous comprenez? Donc, les gens montrent leur appartenance au diable juste par les choses les plus simples. Mais la plupart des temps, les gens ignorent toutes ces mêmes choses. On pense même que c'est de la blague. Mais ce sont des choses qui viennent pour nous montrer que les gens sont possédés. Toutes les personnes qui sont possédées, ils aimeront le diable plus que Dieu. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Je leur dis que Dieu demande de ne pas avoir le sexe au mariage. Et vous te dites que la société est comme ça. Il faut suivre la société, mon frère. C'est le démon qui parle en toi. Il y a des démons qui parlent dans les gens. Et c'est ça. On voit même des statues qui sont possédées. C'est pourquoi on vous dit qu'il n'y a pas seulement les cas où une personne peut être possédée. Soit par le Saint-Esprit, vous voyez, et manifester les fruits de l'esprit. Il y a aussi les cas où les gens sont possédés par les démons, mais il n'y a pas seulement ça. Nous voulons vous parler du troisième cas que les gens négligent. C'est le cas où les démons possèdent les objets, comme on vous l'a montré ici, mais pas seulement ça. Il y a aussi les statues. Vous voyez, le démon peut venir animer une statue pour que la statue même pleure. Elle pleure même juste là comme ça. Tu peux même voir. Elle pleure comme un homme, un humain, une femme qui a essayé de pleurer. Où est la différence? Elle peut même couler des larmes de sang. Juste pour impressionner les gens. Même en touchant cette statue peut même faire des miracles. C'est le diable qui le fait. Il le fait. Et comme les démons peuvent mettre des esprits dans de telles choses, on va voir maintenant ici que les démons aussi peuvent injecter les esprits en des poupées. Voyez-vous, regardez bien. Dans le témoin puissant précédent qui apparaîtra à la fin de cette vidéo sur l'écran, vous allez voir une femme expliquer comment elle sort de son corps, elle met son esprit dans une poupée qu'elle pousse sous l'eau et puis elle voyage avec. Tout ça, vous allez voir. Regardez cette poupée par exemple. Regardez très bien ses yeux. Regardez très bien ses yeux. Elle regarde tout. Elle regarde en haut. Après, elle vous regarde vous-même tout droit comme ça dans les yeux. Comme si vous étiez son voisin. Ensuite, elle regarde à gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a reçu le pouvoir d'être animée. C'est l'animation. Le diable peut animer la poupée la possédée. Et c'est de la magie. C'est la sorcellerie. Ça fait peur. C'est-à-dire que lors d'un rituel, ils ont invoqué des démons pour nous positionner dans cette poupée-là.
de ce que cette population puisse être animée. C'est pourquoi il faut beaucoup méditer ce genre de choses. Et les gens, quand ils achètent de telles poupées, l'esprit de poupées peuvent aussi les posséder, peuvent aussi les contrôler parce que c'est le démon qui est derrière. Et c'est ce que ça donne. Les gens, les humains créés à l'image de Dieu, qui cherchent à ressembler à des poupées. Vous pensez que ça c'est quoi? Ce sont des cas de possession. L'esprit de la poupée a possédé une personne ici. Et c'est le résultat qui est là. Et quand vous avez ça chez vous, votre maison est exposée à toutes les pratiques occultes et mystiques. Ça veut dire que tout sorcier peut rentrer chez vous tranquillement. Rien qu'à cause de ces choses que vous avez dans votre maison. Juste là, à cause de ces choses. C'est nombreux, hein? Ça se multiplie. Est-ce que vous les connaissez? Mes frères et sœurs, vous devez faire un nettoyage complet de votre maison avant qu'il ne soit trop tard. Regardez-vous-même. Ce genre de choses sont réelles. Si vous ne nettoyez pas vos maisons, même avec vos enfants, franchement, le diable risque de venir et s'imposer chez vous. Ne vous donnez plus l'autorisation. Mes frères et sœurs, ce genre de choses sont réelles. Mais il est préférable d'avoir le sérieux de sa vie et de manifester ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Que Dieu bénisse, frères et sœurs, prenez soin de vous et que Dieu reste. Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, vous pouvez cliquer sur s'abonner si vous ne savez pas quoi faire. Et cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui sont également faire des gens pour nous soutenir. En dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouve toutes les informations qu'il vous faut pour faire des gens. Vous recommandons de faire des gens. Ouais, c'est génial. Waouh! Wow. Thank you.